On commence par, peut-être, celui dont on ne faisait que parler dans le paddock du Mans, Raimé Alguersuari, bien sûr, car la veille, on avait appris que Sébastien Bourdais, hélas, allait être remplacé en Formule 1. Et à ce moment-là, on savait quasiment que ça allait être cet homme, Raimé Alguersuari, qui nous dit, bien sûr, ça va être bien d'être en Formule 1. Ça va être une nouvelle expérience pour moi. Je viens de la Formule 3. Vous savez que j'ai été champion de Grande-Bretagne. Donc, c'est fabuleux de gravir les échelons comme ça. C'est très motivant. Raimé Alguersuari, qui, au départ du prochain Grand Prix de Hongrie, sera donc âgé de 19 ans et de 125 jours, il deviendra le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à prendre le départ d'un Grand Prix. Oui, je sais que je suis très très jeune, mais écoutez, j'attends cette course avec beaucoup d'impatience, je suis très motivé. Pour l'instant, beaucoup de choses se passent dans ma vie et je vais continuer de travailler comme je l'ai toujours fait. Raimé Alguersuari qui confiait tout de même que même s'il allait en Formule 1, parce qu'on le répète, c'était pas totalement officiel à ce moment-là, il voulait finir la saison dans le cadre de la Formule Renault 3.5. Donc...